Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment, depuis que Mahad al-Mustakim, autrefois malade allergique aux flics, s'est repenti, ça a augmenté ma foi. C'est une preuve de plus que Allah peut faire n'importe quoi. Parce que moi, je le connaissais avant. J'étais avec lui en prison. Même là, on peut... Inch'Allah, on va regarder une petite vidéo. Et puis, vous allez voir comment il était avant. Et qui est allergique aux flics, sur quoi je veux dire, représentant du Blue Division Records, mon suis, sur quoi je veux dire, on est là pour représenter, you know what I mean, to the squad of Ella, so if it's like MT16, je like MT16, you know what I mean, let's do this, okay, yo, bleu massif, c'est comme ça qu'on bouge, les gars sont des taureaux, on fonce sous le rouge, les gars sont des cheese, les gars sont des les gars pour des cheese, les gars pour des choux, wow, pour 4 nez, c'est devant ma machette, le seul qui achète, c'est derrière la gâchette. Négro, je suis devant ton domicile, invité, je te parle de meurtre, je te parle domicile. De mon aile, par patron et par valide. Yo, kid, tu élimines mes ennemis rapides. Mes gars, c'est ça, ta business t'en pas et tu me traînes avec des méchants, des f***ers, des caïds. De mon origine, mon flingue, mes lampions, j'ai tendance à ramener des gars en ambulance. Mes frères, mes codes, mes vrais, mes dogs. Blue Division, mes gars sont les thugs. Et puis maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit comme message. Regardez qu'est-ce qu'il dit comme message. Qu'est-ce que l'islam a fait à quelqu'un et qu'est-ce que ça fait comme répercussion. Juste du bien. Alhamdulillah. Ok. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'en ai vu toutes les couleurs. Dans ce game, qu'est-ce que j'ai gagné que de la haine et de la douleur. Oublie mes ennemis, mes anciens gars veulent me flinguer. Tant que Allah est avec moi, mon cœur sera toujours blindé. À 12 ans la rue, je l'ai marié, aujourd'hui je l'ai divorcé. Si tu me fais du mal, t'inquiète mon frère, je ne vais pas riposter. Excusez-moi si je vous ai vexé ou offusqué. J'ai déménagé, quitté la rue pour la mosquée. C'est vrai que souvent c'est dur, c'est vrai que des fois je dors mal. Aujourd'hui ce n'est plus les mêmes gars qui m'appellent sur mon portable. Malgré tout ce qui m'arrive, alhamdoulilah, je garde le moral. Parce que in God I trust tout ce qui m'arrive, je me dis que c'est normal. J'essaie d'aider les jeunes, j'essaie de faire un peu d'awa. Ma vie a complètement changé dans une prison à Ottawa. Souvent je pense à ma jeunesse et à tous mes potes au ciel. Et à tous mes frères entre ces quatre murs qui avaient du potentiel. Je sais que parfois c'est dur à croire. Car plusieurs personnes vous disent qu'ils vous racontent des vraies histoires. Vous vous demandez, c'est vrai ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas parce que les autres mentent que je vais vous mentir. Je sais que parfois c'est dur à croire. Car plusieurs personnes vous disent qu'ils vous racontent des vraies histoires. Vous vous demandez, c'est vrai ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas parce que les autres mentent que je vais vous mentir. J'espère vous voir à la conférence le 3 novembre. Ça va être bénéfique pour tout le monde. Inch'Allah, le 3 novembre à l'Université Concordia. So, achetez vos billets, you know. Ça va être ça va donner espoir à tout le monde, you know. Mahad al-Mustakim, Mustakim TV, en direct, oh yeah. Yes.